n'a pas le choix d'augmenter notre capacité de transit. On a besoin de bâtir des autoroutes pour acheminer l'énergie là où on en a besoin. C'est l'ampleur du développement qui est problématique. Comprendrez, il y a des gros projets dans les cartons d'Hydro-Québec. Vous pouvez les lire sur notre page web. Caroline est là pour nous en parler ce matin. On parle de nouvelles lignes de très haute tension qui seront construites. Tout ça pour acheminer l'électricité dont on a tant besoin. De ces trois régions-là, oui, vers les industries du sud-ouest du Québec. Oui, ce sont les trois régions qui vont être touchées justement par les nouvelles installations qu'Hydro-Québec veut construire. C'est ce qu'a appris notre collègue Thomas Gerbet. Donc, des lignes de très haute tension qui vont partir de la Baie-James, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, bas du fleuve, pour aller alimenter en électricité le sud du Québec. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, une ligne de très haute tension. On en a mis une en service en 2023, donc tout dernièrement. Vous la voyez ici, c'est une ligne de 735 kV qui part de la Côte-Nord à Saguenay, celle-là. Alors, regardez à quel point, là, quand on parle du paysage qui risque de changer, ça prend de la place, ça prend de l'espace, des lignes comme celle-là. Et puis, ce qu'on sait, là, que ce sont trois lignes comme celle-là, minimalement, qu'on veut construire dans les prochaines années, pour l'équivalent de 5 000 km de distance. 5 millions de dollars par kilomètre, c'est ce que ça a coûté, la ligne que je viens de vous montrer, là, qui a été construite et qui a été terminée en 2023. Ça va prendre 20 % de la main-d'œuvre en construction au Québec pour parvenir à mettre en place tous ces projets convoités par Hydro-Québec. Regardez le prix, Marc-André, 45 à 50 milliards de dollars. Quand je vous parle de 5 000 kilomètres, parfois c'est difficile de se faire une idée, hein, à quoi ça ressemble exactement. Ce que vous voyez en mauve sont des lignes de très haute tension qui existent déjà au Québec. Et regardez, celles qui relient la Grande à Montréal ont autour de 1300 km environ. Alors, c'est quatre fois une ligne comme celle-là qui est projetée au total. Et puis, pourquoi on veut faire ça? La croissance de la population qui fait en sorte qu'on a davantage de projets ou de besoins énergétiques, l'essor de la voiture électrique et également la fameuse filière batterie tant vantée et sur laquelle le gouvernement Legault travaille si fort. L'industrie au Québec, elle a changé beaucoup dans les dernières 40 dernières années où on avait beaucoup de papetières dans le temps, on avait beaucoup plus de production d'aluminium qui était surtout sur la Côte-Nord, en Mauricie. Mais là, l'industrie change énormément, donc ça change un peu le paysage du réseau, du système nerveux pour vraiment acheminer l'énergie partout. Où est-ce que c'est nécessaire? Il y en a qui vont dire un instant, pas dans ma cour, il y a une pollution visuelle. Mais il y a plus que juste le visuel, probablement, dans tout ça. Oui, parce que quand on construit des lignes comme celle-là, quand je disais tantôt, ça prend de la place dans l'environnement. Là, regardez, ici, on a une vidéo promotionnelle d'Hydro-Québec qui parle de la construction de ces lignes de très haute tension. Regardez à quel point on doit vraiment procéder à du déboisement de façon très, très importante. Vous souvenez-vous, Saint-Adolphe-d'Howard, ce qui s'est passé dans les dernières années? Levée de boucliers pour empêcher... justement, la construction de lignes hydroélectriques. Finalement, les tribunaux ont donné raison à Hydro-Québec, là. Mais là, on parlait d'une ligne de 120 volts. Là, ce qui est projeté par Hydro-Québec, c'est 735 kV, 120 kV. Et puis là, ce qui est projeté, c'est trois fois 735 kV. Alors, pour vous donner une idée là, de l'importance de ce projet-là et de l'acceptabilité sociale qui sera nécessaire. En effet. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.